Wonder, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Vlogmas. Aujourd'hui nous sommes le 17 déjà. J'ai fait ma petite ouverture ce matin qui est déjà en ligne au moment où j'ouvre ce vlog. J'ai posté le vlog du coup d'hier, donc il devrait arriver dans la journée. Du coup ce matin j'ai déposé Louloute à l'école, ensuite on a été se balader... Ensuite on a été se balader, on a été dans un petit magasin qui vend des produits un petit peu artisanaux et bio, etc. Donc j'ai trouvé ça, vous montrer, j'ai trouvé ces petites pailles, donc un peu incurvées comme ça, parce que moi j'avais pris ce pack là chez Action qui est très très bien, rien à dire. Et donc là j'ai pris celle-ci au magasin puisque je trouvais ça plus pratique pour les enfants. Et oui, Eloa elle a eu un petit... un petit magazine Playmobil, et avec elle a eu le petit Playmobil, voilà, qu'on voit en photo ici, donc elle est contente. Et sa sœur a eu pareil mais avec une patineuse artistique. Je me suis pris également des petits stickers pour mettre dans mon album Harry Potter, donc je vais ouvrir ça avec vous tout à l'heure. Tu veux que je montre? Oui. Donc voilà le Playmobil qu'elle a eu, elle est contente. T'es contente? Oui. Oui, allez. Et du coup, ouais, donc je vais ouvrir ça avec vous. Et comme il fait beau, je suis un peu plus motivée. Mais cet après-midi, j'aide ma mère à faire son déménage. Parce qu'en fait, elle part de chez nous. Ça va faire bizarre. Après un mois, ça fait un mois qu'elle est chez nous. Donc ça va faire bizarre. Et elle retourne chez elle. Donc je vais l'aider à faire ça. Et puis ensuite, je verrai ce que je vais faire. Voilà, dans l'après-midi, quand elle va faire son premier voyage jusqu'à chez elle. Et puis... voilà, donc peut-être que je lirai un peu, enfin. Donc je vous laisse là pour cette petite partie. Et puis je vous reprends après pour l'ouverture des calendriers de l'Avent des filles. Et pour ouvrir aussi avec moi les petits stickers Harry Potter. Alors le 17, mon cœur, il est ici. Ah, ici, il est dur. Vas-y. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a des chevaux. Ça m'étonnerait qu'il y ait un cheval, mais... oh, un faon! Oui. T'es contente? Et où? Et il est tout seul. Donc tu as le petit frère. Tu as le frère du premier que t'as eu. T'es contente, ma chérie? Ça. Super. Ah bah ça sera pour demain, la grosse là. Demain. Yeah. Ça t'a déjà ouvert? On verra ce que ta sœur va avoir. Tout à l'heure? Il y a plein. Ah bah t'en as ouvert plus que ce qu'il reste à ouvrir. C'est bientôt le réveillon de Noël, hein. Ça? Ça tu l'as ouvert déjà, oui. Il y a plein, il y a plein, il y a plein, il y a plein. Ouais, il y en a plein. T'es contente? T'es contente? Eloa, tu es contente? Oui, je suis contente. Super. Alors comme promis, on se retrouve, je me baisse un peu parce que mon trépied est bien bas, mais c'est pas grave parce que c'est ça qui nous intéresse, les petits stickers Harry Potter pour mettre dans l'album, avec la petite collection de cartes qui devient lourde. Alors du coup j'ai pris 6 stickers, 6 paquets de stickers, donc on commence tout de suite. Hop, on va éviter de se spoiler. Donc ici on a la carte. Et c'est un double, mais un beau double. Moi aussi, je veux des cartes. Toi aussi, tu veux des cartes? Ça, ce sont celles de maman. Donc, on la met de côté. Et voici les stickers que l'on a. Et je pense qu'on va commencer à avoir pas mal de doubles. Celle-ci est sympa. Voilà. On continue. Bon, premier double, c'est pas grave. Alors. Attention. Et ce n'est pas un double puisque ce sont les frères Weasley. Donc on ne l'avait pas celle-ci. Elle est trop belle, elle est magnifique. Hop. Elle est superbe celle-ci. Ah, je l'adore. Elle est trop belle. Tac. Celle-ci, c'est un double, je m'en souviens bien. On continue, on ne va pas perdre trop de temps. Hein. Eloi est subjuguée par les cartes. Tu veux des cartes? Et nous avons Drago Malfoy. Super. Je crois pas qu'on l'avait déjà. Mais enfin, c'est à vérifier. Moi aussi, je veux mes cartes. Toi aussi, tu veux des cartes? Alors, celle-ci, on l'avait déjà. Je m'en souviens bien. Celle-ci aussi. Ah, on commence à avoir des doubles, hein, ça c'est sûr.
Allez. Seconde moitié. Ah bah. Celle-ci est vraiment très belle. Aux couleurs de serpentard. Magnifique. Et on ne l'avait pas, donc parfait. Hop. Celle-ci, j'aime beaucoup. Voilà. Avant-dernier sachet. Bon, pour l'instant, on n'a qu'un double, pourvu que ça dure. Alors, oui, non, celle-ci, on l'avait déjà. Ce sont les Weasley. Enfin, une partie des Weasley. Oui. Merci, ma chérie. Alors, voici pour les stickers. Voilà, il y a, je crois qu'on n'en avait aucun. Donc, parfait. Allez, dernier paquet. Hop. J'espère qu'on va finir avec bah, pas un double, quoi. Et on ne finit pas avec un double. Donc, nous avons Dumbledore et Ombrage. Donc, je ne l'aime pas, mais c'est pas un double, donc c'est très bien. Qu'est-ce que c'est? Et en plus, on a un petit fond sonore grâce à Eloa, super. Et voilà, bah écoutez, génial. Donc du coup, sur 6 paquets, on a 4 cartes que nous n'avions pas. Donc les jumeaux Weasley, Drago. Alors là, on voit Drago, son père, donc Lucius, Rogue. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a Crabbe et Gold derrière. Donc voilà, super. Et bah voilà, celle qu'on vient d'avoir, donc Ombrage avec Dumbledore. Bah c'est super tout ça, on va pouvoir rajouter ces petites cartes à notre collection qui s'étoffe bien. Donc je vérifiais qu'on n'avait pas de double hein, vraiment dedans. Donc voilà notre petit paquet, je crois qu'il y en a une vingtaine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc 20 sur 50, il nous reste une trentaine de cartes à trouver. Va-t-on réussir à avoir la collection complète de ces cartes qui est présente ici? Mais ça s'étoffe, donc je suis contente. Du coup, maintenant, je vais coller mes petits stickers. Bon, ça, je vous l'épargne parce que ça risque d'être long. Et puis, ben, on se retrouve un petit peu plus tard dans le vlog. First Noel the angel did say was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they
so deep. Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. They look it up and saw a star shining in. Alors Rachel, le 17. Ah, oui, mais je te fais le trou comme d'habitude. Alors. Oh, super! Je peux le voir? Merci. Waouh, t'es contente? Tu as eu lui là? On va pouvoir mettre ces trucs dessus? On va pouvoir essayer? T'es contente? Ouais, on va essayer ce bout. Ouais. Et tu as eu son bébé l'autre jour, le poulain? Et là, tu as eu la jument ou le cheval. C'est elle. C'est lui. C'est fou. On est un peu de travers. Bon, je ne sais pas si j'arriverai à mieux. Alors, du coup, on se retrouve, il est 17h16, alors finalement ce que j'ai fait cet après-midi, bah, j'ai avancé un peu mon diamond painting, du coup bah, vous aurez pu voir une toute petite partie de mon diamond painting là en vidéo, j'ai filmé que le début puisque bon c'est un peu c'est un peu redondant pour vous. Eloa vient de se réveiller, c'est mon clavier justement, merci. Du coup là je vais commencer le montage de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Donc là je vais sélectionner mes petits fichiers. Et j'ai reçu un petit colis que je voulais vous montrer. Vous montrez pas trop à la vidéo mes filles, parce que je préfère pas. Donc du coup j'ai reçu un colis que j'attendais pour Noël. Donc je suis contente qu'il arrive maintenant. Et en fait ce sont des petites choses pour mettre sur les chaises en forme de bonnet de Noël. Comme ceci. Hop. Et c'est pour mettre sur le dos des chaises en fait, sur les chaises pour faire joli pour Noël.
Donc je suis contente d'avoir reçu ma petite commande, surtout que ça fait un moment qu'elle aurait dû arriver le 7. Nous sommes le 17, donc ça fait 10 jours voilà, que de retard pour recevoir ma commande, mais je l'ai et je suis contente. Donc au moins j'ai ça. Il me manque également, du coup, que j'avais commandé des petites décos pour mettre sur la table et pour pouvoir ranger, je sais plus, regarder retour par retour, pour pouvoir ranger les couverts en fait sur la table, que ce soit plus joli. Et là du coup je suis en train de chercher les fichiers pour faire mon montage de ma vidéo. Je ne sais plus je ne sais plus quel fichier je dois prendre. Bon, je regarderai après sur la caméra, c'est pas grave. De toute façon, c'est passé la 20 minutes, puisque c'est la 20 minutes. C'est mon ouverture de hier que j'ai dû couper un maximum, puisque j'avais fait un long truc. Bref. D'ailleurs, pourquoi je ne l'ai pas supprimé? Bon, bref. Donc, voilà pour mon après-midi. Un après-midi diamond painting, d'après-midi, voilà, de bonne humeur, tranquille. Mais vraiment, vraiment agréable de se remettre un peu au diamond painting. J'attends toujours, parce que vous savez, si vous suivez mes vlogs, vous savez qu'il me manque une couleur dans mon diamond painting pour pouvoir le terminer. Je l'attends, mais bon, je continue à laisser les trous et à mettre bien mon petit truc de protection dessus pour qu'il n'y ait pas de poussière. Pardon. Donc, voilà. Sinon. Bah, que dire de plus, ma mère est partie, ça faisait un mois qu'elle était chez nous, donc ça va faire bizarre. Voilà, l'habitude de vivre tous les jours, de voir ma mère tous les jours, là, bah, c'est sûr que je vais plus la voir tous les jours, mais je la verrai toujours régulièrement, elle est pas très loin. Mais du coup, c'est vrai que ça fait bizarre, là, elle est partie, donc voilà. Sinon, j'ai fait mes petites cartes à gratter, donc pour aujourd'hui, je sais pas si je vous ai montré les autres, je sais plus à quand je m'étais arrêtée. Bon, dans le doute, je vais tout vous les montrer, là, celle-ci. Allez, je vais vous montrer le 14, une fois gratté. Le 15. Le 16. Et celle que j'ai grattée tout à l'heure et que j'ai regardée ce matin, que j'ai découverte ce matin, c'est celle-ci. Voilà. Donc je suis contente de mes petites cartes à gratter, mais il faut absolument que je les attache. On est presque à Noël, mais c'est pas grave, ça fera une belle déco le soir de Noël. Et puis c'est pas grave si jamais je les attache qu'à la dernière minute, mais au moins il faut que je le fasse. Du coup, bah moi je vais m'arrêter là, je pense, hein, pour ce petit vlog. Hein, il est déjà tard. Je vais faire mon montage. Ensuite, je ne sais pas. Ah oui, je voulais vous montrer les petits achats que j'ai faits, je reviens. Ce matin, je suis allée dans un magasin à côté de chez moi qui fait des produits un peu artisanaux, un peu voilà, bio, on va dire objectif zéro déchet, etc., etc. Et je me suis pris un shampoing solide. Comme ça. Donc c'est un shampoing pour les cheveux qui ont tendance à graisser vite. Et moi, bah voyez, je me suis lavé les cheveux ce matin. C'est comme si voilà, j'ai des trous partout parce que mes cheveux graissent vite. Ils sentent super bon. Ah, vous dire à quoi c'est, je me souviens plus, je crois que c'était. Ah, je me rappelle plus. Je vous dirai, c'est parce que je retournerai forcément dans ce magasin. C'est dans le même magasin que j'ai acheté ces petites pailles là que je vous ai montré tout au début du vlog tout à l'heure. Mais du coup, voilà, je suis pas sûre de vous avoir montré le shampoing. Donc c'est la première fois que je vais utiliser un shampoing solide. Et oh, il sent bon. Plus je le sens, plus j'adore. En même temps, tant mieux, parce que si jamais je mets quelque chose qui sent pas, que je trouve qui sent pas bon sur mes cheveux, c'est pas terrible non plus. Mais voilà. Donc super, je suis contente, je vais tester, je vous dirai ça si voilà, si j'ai apprécié l'expérience, dirons-nous, et bah, si ça a vraiment changé quelque chose au niveau de mon cuir chevelu. Bon, bah écoutez, je vais continuer bah, de faire le montage de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Et je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Demain, nous sommes mercredi, donc Rachel n'a pas école. Donc peut-être que du coup la vidéo de l'ouverture de demain sera un peu plus tard parce que j'aimerais bien rester un peu dormir avec tout ce qui a pu se passer dans ma vie ces derniers temps. Je suis un peu fatiguée. Donc j'aimerais bien rester dormir un peu. Donc la vidéo d'ouverture sera peut-être vers les 10h. Le temps, je me lèverai vers 9h. Je la filmerai immédiatement et je la mettrai en ligne. Et normalement, voilà, je filme pendant un petit quart d'heure. Ensuite, je fais le montage qui est très rapide parce que je coupe pas grand-chose au final. Je coupe que les moments où je vais de la caméra à là où je suis assise, voilà, pour vous montrer les trucs un peu plus en détail. Donc c'est vrai que j'ai pas grand-chose à couper, donc ça va assez vite. Peut-être que pour 10 heures, ouais, 10 heures et demie, on va dire, si elle met un peu de temps à charger, j'espère pas. Mais normalement pour 10 heures, vous devriez avoir la vidéo d'ouverture.
Surtout que me connaissant, je dis que je vais me lever à 9h, à 8h, je serai debout. Mais au moins, voilà, je peux me reposer un petit peu et je ne suis pas obligée de me lever à 7h pour venir faire la vidéo comme d'habitude, quoi. Donc, je vous laisse ici pour ce petit vlog qui va peut-être être un peu plus long que les autres, du coup. Et puis, bah, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à demain. Salut!